Le bouton Partager dans Canva vous permet de partager vos créations de différentes façons. On peut partager directement avec le courriel de la personne à qui on veut partager. On pourrait partager dans notre équipe en venant choisir soit une option d'afficher ou de modifier, ou on peut partager avec un lien. On peut donc copier le lien par la suite, l'ajouter dans un courriel ou un autre outil de communication pour pouvoir partager notre création. Il y a trois options avec le lien. On peut partager un lien qui sera modifiable ou un lien pour l'utiliser comme modèle. Dans les deux cas, l'autre personne devra avoir un compte Canva. Le lien modifié va ouvrir dans le même document que moi, donc la personne pourra venir tout modifier. Le lien de modèle va ressembler à ceci. La personne va recevoir une page d'accueil qui l'invite à utiliser le modèle et donc de se faire sa propre copie sans modifier la nôtre. Et la dernière option, c'est la partager un lien pour visualiser. Donc ça va ressembler à ceci. La personne ne se fait pas de copie, n'a pas un lien de modèle. Elle peut simplement visualiser ma création. C'est particulièrement pratique lorsqu'on veut partager un support de présentation, une vidéo ou autre, on partage le lien, la personne clique, elle n'a pas besoin de compte Canva et elle peut naviguer dans ma présentation et pouvoir voir sans modifier, sans toucher à rien euh, ma création dans Canva.